l'épreuve du salut. Aujourd'hui, nous allons étudier la quatrième preuve du salut. La quatrième preuve du salut. Nous allons lire dans la première épître de Jean, 1 Jean. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la. Si vous n'en avez pas, vous allez écouter ou suivre la lecture. 1 Jean, chapitre 2, du 7e au 11e verset. 1 Jean, chapitre 2, du 7e au 11e verset. Je vais lire. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia. La quatrième preuve du salut ou le quatrième test que nous allons passer aujourd'hui pour savoir si vous êtes sauvé ou pas, nous l'avons appelé l'amour. L'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour entre frères. L'amour fraternel. Et dans ces textes que nous lisons, l'apôtre Jean, les disciples que le maître aimait, l'apôtre Jean, celui qui a vécu physiquement avec Jésus pendant au moins 3 ans, il a été avec le maître, c'est-à-dire durant le temps de son ministère, le temps du ministère terrestre de Christ, il était avec lui, il l'a vu agir, il l'a vu parler, il a entendu parler. Et ici, dans les différents tests du salut qu'il donne, aujourd'hui, il nous parle de l'amour fraternel. L'amour, c'est vraiment là, on peut considérer l'amour comme le signe premier d'un croyant. On ne peut pas séparer le salut à l'amour. Okoko kabolate bolingo na lobiko. Pomoto oyo abikisama azali mutu oyo alingaka. Alléluia. Mo Christo ya solo eza mo Christo oyo okomona bolingo katinaye. Bolingo wana ezali lolenge mibale na lingi na préciser yango. Parce que ce qui est allé dans Matthieu chapitre 22, au moins kuna Jésus-Christ à Zoloba, la Bible est Zoloba kuna, les pharisiens ayant appris, chapitre 22, tu vas y en 34 versets, au moins autant appelé histoire similaire dans Matthieu 7, 12. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Sur Otali, alors, Zomona, Bolingo, Ezali, Nébite, Son, Loba, Lolenge, Mi, Balé, Sort, Mi, Balé, Tona, Loba, Yango, Nandenga, Ya, Direction, Mi, Balé. Yali, Bosso, Ezali, Bolingo, Oyo, Osengeli, Ozanango, To, Ozanango, Natina, Nanzambe. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Jean, Zoloba, Yemo, Kalobi, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Ça veut dire que celui qui aime le monde, c'est qui n'aime pas Dieu. Donc, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de toute sa force, de toute son âme, de toutes ses pensées. Il faut qu'on linga nzambe. Si on est sous Christ, on a dit, « Yami balé, oye kokanina oa libosu ezali, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Oko linga, mouninga na yo, lokola yomei, lokola yomoko. Ozomo na bolingo. Si ko mutu o abikisama, soki aza ko manifeste bolingo te, aza ko linga son prochain te,
ezali vraiment en kokoso pona koyeba ete mutu wana abikisama ya solo to abikisama te. Okomona na texte oyo totangi ya 1 Jean 2 7 à 11 soko telongo malamu eza ko semble ndeti mwa contradiction mukie. Pourtant contradiction ezate na bezo semble. Hein? Non, ça apparaît comme une contradiction, mais il y a point de contradiction, on va le comprendre. Quand Jean dit bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau. Lui-même il dit, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Oui, ce n'est pas un commandement nouveau, c'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est quoi? C'est la parole que vous avez entendue. Yemoka poursuivre. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous. Alors, il y a un peu de sikate, mais il y a un peu de sabino. Il y a un peu de sabino, il y a un peu de. Après, il y a un peu de sika. Ça semble être une contradiction, mais ce n'est point une contradiction parce que la Bible ne se contredit pas. Ça, c'est un principe. Tant que vous avez la Bible, tant que vous avez le Banzambe, ils ont un principe que vous avez dit que vous avez un principe. Parce que vous avez dit que vous avez un passage, c'est une impression comme si vous avez une contradiction, mais ils ont une contradiction. C'est quoi? Tant que l'apôtre Jean, il y a un sikate. Pourquoi le besoin de sikate? D'abord, parce que kolingana to bolingo oyo nzambe asengi biso ebandi na Nouveau Testament. Bien que batu oyo Jean azo komeleza batu ya Nouveau Testament, mais yebisi bango commandement oyo eza commandement ya sikate ebandi kala. Pona nini ebandi kala? Totanga Lévitique, chapitre 19. Lévitique est dans l'Ancien Testament. Chapitre 19, totali verset 18. Lévitique 19, verset 18. Bible lobby. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de qui? De ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Zomona. Oyo, tant que ma kambo yon zamba lobi yango na bana Israël. Eza la Jean. Eza la batu o nyon so basaye ko vivre en époque à Jean. Moutazalaka moukilazala ki nan te. Babota ma ki nan te. Nzamba loba ki yango na ba ancêtre na bango. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Si on sait là, lobby, ma kamnoze sabino ezali commandement yasikate. Ozomona, yasikate, eza makambu, et l'obama déjà. Mais après yemoko, ayeko lobali susu, yemoka quand Thomas Jean, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Oh. Mais on oublie commandement à sikate. Et comme il commandement à sika. Elingi koloba nini? Elingi tout simplement koloba. Kolinga. Moninga. Aimer son prochain. Dieu ne l'a pas recommandé. N'a pas commencé à nous faire cette recommandation ou nous donner ses commandements dans le Nouveau Testament. Il l'a commencé depuis l'Ancien Testament. Il a recommandé, il a ordonné que nous puissions aimer nos prochains. On a lu ça dans Lévitique chapitre 19, verset 18. C'est en cela que c'est un commandement ancien. Mais en quoi ce même commandement ancien est-il nouveau? Voyez, un commandement qui est en même temps ancien et en même temps nouveau. Ce commandement est nouveau en ce qui est à l'objet. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui, mais celui qui est son frère et dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont fait quoi? Ont aveuglé ses yeux. Il y a un moment où Matisikolo, on a versé à Liboso, tout le temps, bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez dès le commencement. Dès le commencement, Makamoudé Vandia. Tant l'objet, c'est un commandement que vous avez dès le commencement. Commencement, Oyo,
Ce n'est pas le commencement de la création. Ce n'est pas le commencement qui fait allusion à l'époque de Moïse, quand Dieu donnait cette loi. Non. Le commencement ici, c'est le commencement de la foi chrétienne. Alléluia. C'est le commencement de la foi chrétienne. Yango zomo na lobi commandement ezali ya kala parce que nzamba loba ki yango ya kala. Mais ezali pe commandement ya sika parce que tango bobandi ki mo Kristo nkolo a pesi to a rappeler li susu commandement wana. Alléluia. To pousa na to sosolo yango susu malamu koleka. Commandement qui est en même temps nouveau. Commandement qui est en même temps ancien. Alléluia. Tant wa lobi sikoyo que commandement oyo na yibisa kibino eza ya kala mais yako ba sou c'est ça nouveau. Différence eza ko s'établir na ba mot oyo eza utilisé. Souvenez-vous na yibisa kibiso ah ba mikolo leki Bible ya e commandement na français te. Mais à l'origine Bible commandement la français te Bible et commandement pe na lingala te. Et comment on appelle en anglais, en espagnol, en portugais. La Bible est comment en hébreu, comment en grec, et une partie en araméen. Et comment on a surtout hébreu, en grec, et la langue oyo, ezali avec des mots polysémiques, plurisémantiques. C'est-à-dire, mot oyo, na français, bako ko traduire yango, lo lengue moko, mais ce qu'on tali yango na langue originale, ezali koloba forcément la même chose te. Alléluia. Ce qu'on tali yango na langue originale, tu comprendras que ça ne dit pas forcément la même chose, même si en français, ça peut être traduit comme si ça disait la même chose. Alors, on peut voir clairement que Jean, l'apôtre Jean, il se sert de cette sorte de contradiction, mais qui ne l'est pas. Pourquoi il se sert de ce semblant de contradiction? C'est pour clarifier en quoi est-ce que le commandement ancien dit depuis Lévitique est à la fois un commandement nouveau. Alors, les mots écrits ici, quand il dit un commandement nouveau, nouveau en grec c'est kainos. Oyo a utilisé dans le Nouveau Testament, dans Jean, dans le deuxième épître, dans le premier épître, pardon. Tant lobby, un commandement nouveau. Nouveau, on a c'est kainos. En fait, Elin Kolobanini, kainos, oyo Jean a utilisé dans verset 7, puis verset 8, et Zali ko exprimer une certaine fraîcheur. Et ça ko exprimer une certaine fraîcheur par rapport à l'essence et à la qualité, mais pas nécessairement la nouveauté quant à la chronologie. Chronologie, ça fait allusion au temps. Nous sommes là. Et ça, le quoi, on a pris cet exemple. Pour te comprendre, madame. Ce qui n'a eu téléphone. Téléphone, on a eu un beaucoup. Mon téléphone a commis une marque. Je Nico permet ngai na sala na lo ba koma marka on téléphone Itel. Faut que na za na téléphone Itel na ebité. Bon, je donne un exemple. Peut-être oza Itel 3340. Oyo ebimi ba fabriquer ngo peut-être il y a 2 mois. Mais eza na ba Itel mususu. Tant mususu eza Itel ceux qui 2025. Ça se donne un exemple. Au total, les deux téléphones Itel, ni on s'est mis à les téléphones Itel. Mais, Moko, et ça les makala, Moko, et ça les misika. Oye, et ça les misika, bien que ça les kaka téléphone Itel, mais ils sont beaucoup plus frais que téléphone Oyo, yakala. Exemple, Moussous, au moins, il y a quoi à Moutouka? Tu crois qu'on s'est mis à l'aise, tu as mis à Moutouka, ni on s'est mis à Toyota, Prado. Non, non. Je suis allé à Toyota Prado. Dernièrement, j'avais effectué un tour dans le Congo central ici. On est parti en voiture. Alors, parmi les véhicules qu'on avait utilisés, il y avait des Toyota Prado. On avait 3 Toyota Prado. Une était de couleur grise et deux autres
était de couleur noire. Alors il est arrivé un moment mutumoko à confondre azaki na prado ya mwindu biso peto zangi na prado ya mwindu. Mais tant ayenga okota ba yokota na prado esika biso tozalaki. Oh, abi oh. Mais non, le bilou monsieur ça na kata na mutu katon to yageza. On l'a fait comme non. Oh, ça mutu ko yaki na ngote mutu yaki na ngoya ngwana. Alinga douter oh, comment ça? Mais ça prado. Oui, eza prado ne sombalé. Mais ba yebisié oyo yo oyaki na ngwana eza prado ancien modèle. Soko tali yango bien. Na oyo oh, biso te yenango eza nouveau modèle oba sali yango sika par rapport à yo. Mais tant au talango bongo il semble ne pas voir la différence. Mais oyo biso te yenango eza un peu plus frais, un peu plus sika par rapport à yo ya. Mais za nyonso mi balé za Toyota Prado. Si ko yo mobeko oyo nzambe ye moka pesa ki depuis Ancien Testament. Alobi okolinga moninga na yo ndenge omilingaka. Yesu Christ pe tango aye to tangi na Matthieu. Yesu Christ pe alobi la même chose. Yango Jean ebisi bango makamna ebisa mino en fait. Eza lango makambo asikate. Ozo mo diza makambo asikate nzamba banda ko lobango depuis Ancien Testament. Mais ko lobasu susu a fait eza asika. Eza asika po na nini? Parce que bino tango bondimi Yesu Christ na ebandeli ya kondima na bino ya Yesu Christ ba Yei bino bolingo kolinga moninga na yo ndenge omilingaka. Alléluia. J'espère que cette petite introduction nous a aidé à comprendre pour dissiper un peu des éventuels malentendus causés là na passage haut. Donc la quatrième preuve du salut dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour fraternel. Et maintenant, une autre nuance que nous devons faire. Quand nous avons lu dans Lévitique, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël à l'époque, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain dont Dieu parlait dans l'Ancien Testament, le prochain dont le Seigneur parlait aux enfants d'Israël, c'était les enfants d'Israël eux-mêmes. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis juif, Dieu me demande d'aimer mon frère juif. Ngaina ndeko nanga tozali bota moko, tozali bana moko, to lingana na linga yendenge na milingaka. Donc aimer ton prochain dont Lévitique a parlé, le prochain là, ce n'était pas les Grecs. Le prochain là, ce n'était pas les Tsunamites. Le prochain là, ce n'était pas un Édomite. Non, le prochain, c'était l'Israélite. Tu dois comprendre, même commandement. Tu aimeras ton prochain. C'est quand Jésus Christ, tant qu'il est qu'on même mes mobiles qu'on a qu'on réalisé, il est venu accomplir la loi. Aïe, bisi bisope, bokolinga, okolinga, moninga na yo, ndengo milinga ka yo moko. C'est quand yo son prochain ici dans le Nouveau Testament, ça va au-delà de la personne avec qui je partage un même pays. Est-ce que toujours ce cela? Mon prochain, c'est Mutu Oyo. Toza na ye libota moko. Libota na biso siko eza libota nini? Eza libota na nzambe. L'église. Nzoto ya Kristo. Moto oyo andimela Yesu Kristo loko langai. Nous parlons ici de l'amour fraternel. Je ne dis pas ici que okoyuko linga mo pagano te. Non. Mais là on parle pas de l'amour fraternel. L'amour fraternel dont on parle ici, sans nous pousser à haïr les païens, mais la recommandation que le Seigneur nous fait ici, c'est de nous aimer entre nous, les frères, les sœurs dans la foi. Ça veut dire, cet amour ne se limite pas à l'église locale. C'est-à-dire que moi, j'ai pris à la paroisse Saint-Kizito, je n'aimerais que la personne qui prie avec moi à la paroisse Saint-Kizito. La personne qui prie au CBFC Linguala, na ko linga ete po aza paroisse moko na ngate. Non, ce n'est pas ça. Mutu a osambela na CBFC Linguala. Mutu a osambela na KDS, na KDC. Mutu azo ko osambela na KFC. Mutu nyonso. Ezala aza église locale moko te na ngai. Mais lokola biso nyonso, toza ko professer foi moko na Yesu Kristo. Azali mon prochain. Est-ce que tout le monde a ce cela? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que mon prochain là, ça va au-delà des frontières de mon pays.
Oui, ça va au-delà des frontières de mon pays. Mon prochain peut être le frère en Christ qui vit au Congo, là où je vis. Mon prochain peut être le frère en Christ qui vit à Goma, là où je vis. Mais mon prochain peut être aussi le frère en Christ qui vit à Bujumbura, qui vit à Brazzaville, qui vit à Paris, qui vit à New York. Bisonio sotoza libota moko. Bananzambe. Alléluia. L'autre fois, il y a quelqu'un qui nous a interpellés. Oh, c'était une édifiante interpellation. Permettez-moi de donner cet exemple. Surtout pour nous qui sommes des Congolais ici. Il y a une certaine rivalité qui existe toujours entre la RDC et des pays comme le Rwanda. Tu vois? À tel point que j'ai vu ici dans certaines communautés, des communautés dites chrétiennes, quand on leur envoie un missionnaire qui vient par exemple du Rwanda, c'est un Rwandais, on l'envoie comme missionnaire en RDC. Tu vas voir les frères et les sœurs de la communauté où le frère rwandais missionnaire a été envoyé se méfier de ces frères-là. Ah, qui est le Rwandais. Ah, tu es le Rwandais. Kolanda est un sexe au bon, 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 sexe au bon, bon, ah, bah toi, non, à tel poison, ma sexe au coufan, missionnaire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les prochains, ça ne veut pas dire tu aimeras les Congolais seulement comme toi-même, ou tu aimeras les Français seulement comme toi-même parce que tu es aussi Français. Non, ça veut dire que tu peux être Congolais, mais ton frère chrétien, Rwandais, Burundais, Ougandais, tu dois l'aimer. C'est la recommandation, c'est le commandement de Dieu. Tu dois l'aimer, qu'il soit Rwandais, qu'il soit Camerounais, qu'il soit Ivoirien, qu'il soit Centrafricain. Aussi longtemps que nous sommes dans la même famille, nous formons un même peuple, le peuple de Dieu, l'Église, ceux qui sont sauvés par Christ, nous devons nous aimer. Alléluia. C'est quoi ce qui est le prochain au yo lingaka? Ils ont la caca pour ça congolais le quoi yo? Ça veut dire quoi? Ah Burundais. Parce que Moutou, oh ya biki sa mère solo. Alingaka, kolinga son prochain, sans soupçonner. Alléluia. Quatrième preuve du salut. L'amour. L'amour du prochain. Sikoyo. L'amour, en tant que commandement ancien. On va étudier l'amour en tant que commandement ancien. On va étudier aussi l'amour comme un commandement nouveau. Quand il dit au verset 7 de 1 Jean 2, bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Alléluia. C'est la parole que vous avez entendue. On en a Lévitique. Mais ici, nous avons rappelé Bango. Alobi, tu aimeras, tu ne te vengeras pas, tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point des rancunes contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. S'aimer, aimer son voisin ou aimer son prochain comme soi-même. Dans l'Ancien Testament, les prochains, c'était l'Israélite. Mais maintenant, l'amour, comme commandement nouveau, le prochain, il peut être de la même nationalité que moi. Comme mon prochain, il peut avoir une nationalité différente de moi. Je vous demande, ceux qui
azaka ka mwana ya nzambe na kobanga te atana ke na ndaku na ye apesi nga mai na komela mai apesi nga biloko akolia na kolia parce que l'amour vrai ne soupçonne point le mal soka za mwana nzambe le kola ngai na za na confiance pouza bana libota moko alléluia omoni vie auto menaka dans le dans le séculier la vie que nous menons je veux dire considérons un peu la vie en dehors de l'église. Considérons la vie en famille. Pona nini ndenge yozawana frère Jean-Paul. Eza passi pour o permettre na bana na yo. Bana oyo boti ba kende kolala na ndako ya mutu moko oyo oyebie kaka de non mutu moko ta mususu esiko salaka ye pa salaka wana mazaka na département mususu pesa na ka mbote mais vous ne causez pas vous n'avez pas d'affinité soki un jour mutu na yebisio ah Jean-Paul est-ce que tu peux envoyer les enfants chez moi baya collectionner mangwa ta une semaine ya vacances na ba na ngai tu ne prendras pas directement tes enfants au tini bangé pas mutu oyo yona yekutu lien ezate yona yekutu bosola kamala mute oko hésiter oko sala ngo certainement pas mais quand ton grand frère ou ton petit frère ou ta sœur a yebisio ya Jean-Paul ah tinana nous junior na trésor baya na ndaku baya kovana na yanika zoko tungisanga makasi alinkaka mona bandeko na ye okomona ta mususu sans hésiter okoyebisa bana junior na trésor allez vous allez aller chez tantine vous allez rester là-bas pendant une semaine vous allez jouer avec Yannick tu vois pourquoi cette confiance là parce que l'autre là qui t'avait demandé les enfants avec qui tu te connais de manière partielle c'est quelqu'un que tu vois, mais tu ne connais pas réellement. Mais ta sœur, c'est ma sœur. Ça veut dire que tu dis que ce qui est en sécurité, c'est que tu es en sécurité. Tu es en sécurité, 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 parce que tu es en sécurité, 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 tu es en donc le ko la bino nyoso bo uti esika moko bo zalina koko moko tata moko confiance eza makasi e bolingo oza nango vis-à-vis na eza makasi la preuve en est que tango le kakana nzela mutu nyoso te oza kana ba problème neyo osunga kai na ba problème même si okoza na moyen ya kosunga na ba problème mutu nyoso ta senga rombongo na balabala opesaka ato fentaka o bon yate. Ça c'est une formule qu'on a trouvé pour éviter de batung so. So moni muta so ah nana monte. Nous sommes la gentil. Ah nana monte. Ah lo bala mungu nana mana la. Mbong za nango. Ma bonne au pesa. Mais romona le même jour leg naye yaya naye cousin naye cousine naye a cinquième bongo. Le même montant qu'il aurait pu défalquer pour aider les mendiants. Pour aider cette personne-là qui t'a croisé au sortir du supermarché, alors je le même montant sans hésiter. Après si yanaie, après si ndewonaie, pour nanini, pour zoko lobake ande konanga. Donc tu as un peu plus d'amour vis-à-vis de ton frère, de ta sœur, parce que vous êtes de la même famille. Si koyo ngai ona loba awa, na kosa nasa mutete la. Yo ozoyo kangai ozali musuku yo ozoyo kango za mukongo oza muluba oza muyansi okokite soki oza mwana nzambe ya solo oza na ba doute na tina na ngai a cause ya appartenance na ngai ya tribu okolinga ngai sans soupçon de la même manière ngai na koza na za mutete la na ko se méfier na yo te posa muluba alors ko za chrétien né de nouveau lokolanga na ko se méfier na yo te posa muzombo ah ke bana bazombo bakabakate na zoebisa o bakabakate bazombo
Il y a même certaines personnes qui disent, non, tu vois, même à l'église, hein, il faut confier la caisse de l'église aux Bazombo. Oui, les Bazombo sont des grands économes. Bango, babi, misrambongo, pamba, pambate. Pardon. Alléluia. Donc, degré, pardon, il y a confiance. Oyo oza nango, yo mwana nzambe, bolingo, oyo ko pesa mutu, et ko dépend de la tribu na été. À moins que toza la na, toza bana nzambe te. Mais de la même manière que non, ça la confiance n'est pas petite sœur nango à botami aprenga. De la même manière, non, ça la confiance. Et pas ya ndekolangai ou abotami avangai. Ndekolanga katina Christo. Non, ça la confiance. Alléluia. Non, ça la confiance. Nako lingaye. Le quoi nazo komilinga. Ngai moko. Ça, c'est une des preuves de l'amour. Pardon. J'ai visiblement un chat dans la gorge. Ça, c'est une des preuves de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour nous conclure la première partie, la quatrième preuve, il y a l'élo. Nous avons tout le temps un passage à Souka. Non. Jean. Passage principal, il y a 1 Jean, mais si tu as autant en Jean, Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Tout le monde a l'olenge ni n'kolo Yesu Christo yemoko azako ko lakisa bolingo. Jean chapitre 13. On va commencer au premier verset. Jean est dans le Nouveau Testament. Jean est juste avant Actes des Apôtres. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. Jean chapitre 13. Dans terminant le premier verset. Bible lobby. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui était dans le monde, mit le comble à son amour. Waouh, ça c'est fort. Il mit le comble à son amour pour eux. Ça dit azo linga bango déjà mais a memi li sous bolingone azay ki tina na bango li kolo koleka memi ngo li sous à la perfection. Mais tala lo lenga nini Yesu Christ a memi bolingongo li kolo. Verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, s'élevant des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Azui, akangi, il n'avait pas été suffisant à l'oketu. Akangi, et l'amba à l'oketu. Nanzoto, disons. Ensuite, verset 5, Bible lobby. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à faire quoi? À laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Yesu Christo, Nzambe, Bible lobi, atiema ina bassin, abandi ko sokola, makolo yaba ye kolina ye. Et ça m'a cassé acte au Yesu Christo à sali. Pour n'a qu'on l'accès à bouling. Parce que ce qu'on t'a passage au Jean 13, mon mot, qui comment on a joué bisa bango. N'a sali boy, pour n'a qu'on peut s'abîner exemple. Bino pe bo sala le ko langai. Bo sokola na makolo, nenga na sokoli bino. En fait, ici Jésus ne veut pas dire expressement qu'il faut se laver les mains. Et pardon, se laver les pieds les uns les autres. Parce que ça ne veut pas dire que si dans votre église, bo sokola na makolo, te se que c'est église à l'okuta. Non. Parce que dans certaines églises, on a institutionnalisé ça comme si c'était quelque chose sur ce qu'on a ma colotée et ça les soumou. Non. Mais qu'est-ce que Jésus voulait nous enseigner ici? C'est-à-dire, même si yo lelo décidé au sokolabaye kolino ma colo, au sokolabaninga no ma colo, qu'on sokolango te comme acte
simple bo il faut ça lango plutôt na esprit ya o Yesu Christ asengi yo kana acte o Yesu Christ a sali ezala ki musala o ezala ko salema à l'époque où Jésus-Christ vivait physiquement là-bas en Palestine en Orient poussière ezaki makasi bato bazaki te lokola biso lelo anga na lati sapatu na ko même ko tambo le sika poussière ezali tonga comme na longoli ka sapatu ma kolonanga ezala na poussière te parce que na ti chaussette na lati sapatu. Mais à l'époque, je disais que le tambola soit ma kolongulu, soit na ba sandal. Donc, sapato ezala ki ba sandal. Mais ce qu'on soit moutala ti sandal, et qu'on épargne ma kolonaye na poussière te. Ce qui fait que, acte ya malamu, ko témoigne bolingwe pa ya moutou, ko témoigne respect pa ya moutou, ezala ki soki mou pa ya ye pa na yo, oko sa la nini, oko pe sa ye mai, soit po ami soko la makolo, soit mon sali na yo esclave na yo ako sokola ye makolo to ispe yo mokoti ko tambola tango ye na ndako na yo poussière rezio na makolo esclave na yo ndako yo ko sokola yo makolo mais siko esclave wana o ko sokola makolo parce que ezala be esclave ni yo sauté nde bazale ko sokola bato makolo to ba kondina bango makolo to so sur la malam parce que parmi mes esclaves ezala ki na ba catégorie ya esclaves ezala ne to zara na musala ozo sala na musala moko ezala privé mukolo entreprise azali un propriétaire privé qui a créé son entreprise bino siko boza ba sali na ye na kati ya ba sali na na boza na musu ba directeur bona musu ba sous directeur bona ba musu pe baza ta la grade de terre ba musu baza ba ngamba ba musu baza donc on attend sous directeur a gagnera 2 millions de francs tant que ça musu a gagnera 100 000 francs. Donc, il y a un nuance. Et le directeur a gagné 2 millions de francs. Il y a 87 000 francs, 100 000 francs. Il y a un nuance. Il y a sali, il y a un entreprise. Mais il y a un lien. Si on a 4 esclaves, et ça a qui peut être esclave, il y a une catégorie différente. Mais si on a un socola makolo, et ça qui est réservé à esclave, il y a souka. C'est-à-dire le dernier des esclaves. Esclave minable. Esclave, il y a pamba pamba. Yende mutu musane zeye ko sukola makolo. Siko Yesu asali musala ya esclave. Esclave ya se. Ayebi si ba apotre na ye, ba disciple na o sokola bino makolo. Pierre kuta linga ka resiste. Parce que echoka ki Pierre. E skandalize Pierre. Mais musala ou maître linga sale, ze misala ba esclave. Et puis esclave a pa, ya likolo te esclave ya se. Mais Yesu Christ a mis qui Bible lobi nenga sala ki bongo et ça qu'on démontrer comment il a mis les combles à son amour. Il a amené son amour pour elle à la perfection pour leur dire ce qui vraiment ya solo na lingi bino et c'est na sala bola mino. Ce qui ya solo na lingi de konangai et c'est ngeli na sala pona ye. Yangolo mona côté monsieur Yesu Christ a lobi. Muto a lingi ko za la chef et c'est ngela za la serviteur. Parce que pas Nzambe kozala chef eza ko sunga bato mususu kozala chef eza te ka yo ba sunga kayo te si ko Yesu Kristo amikitisi asokoli bango makolo alaksi bango moni bolingo ndenge ezalaka omoni bolingo ndenge ezalaka ça veut dire quoi soki ya solo zande ko na ngai kati na Kristo oza mwana Nzambe lokola ngai ya solo penza na bikisama pe na lobina lingi yo ata ngai ndenge na zaboye nazali professeur d'université yo oza même pas na diplôme ya licence mais lokola oza ndeko na ngai kati na Kristo na ko denigre yo te naza capable na rendre yo service oyo na rana ngai muta ko jamais ko rendre mutu lokola yo service wana mais na ko sala ngo na bolingo poza ndeko na ngai kati na Kristo. Alléluia. Alléluia. Yango na langage oyo esengeli et disparaître parmi biso bana nzambe. Okomona na kati église, ba frère na ba sœur. Moi, incompréhension et botami. Okomona moka zo bisabobi. Bino bo sepelaka. Bo sepelaka ndenge ngai to soana bino l'église. Nga penda soki église te, est-ce que bino boko approcher ngai? Soki église te. Bo sepelaka église nde sangisi biso. Ngai ndenge na zalaka. Ngai pena na famille na ngana zala. Est-ce que so ya dana musali sika na salaka? Yo, soko za osale sika mona ngai, ongoza mutafungwela nga porte. Mais église de sang si biso. Alors keba. Wana zo mona mutalo ba on église. So muta o tenir langage a bongo.
nandimite kaza mutabiki sama ya solo. Yesu Kristo, nzambe, ye moko nzambe, me asokoli ba disipe makolo, po ala kisabango, ke bolingo ya solo, ça implique l'humilité. L'amour implique l'humilité. Yo lo fundo ele kayo. Toki lo fundo ele kayo zana bolingo te. Alléluia. Quatrième preuve du salut. L'amour fraternel. L'amour entre frères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va courir vite avec le peu de temps qui nous reste pour vous donner aussi la parole si vous voulez bien. Mais avant cela, on va prier. Père, merci pour ces messages que tu nous as apportés aujourd'hui. Seigneur, tu as dit que on reconnaîtra que nous sommes tes disciples si nous nous aimons les uns les autres. Mon Dieu, je prie que par le Saint-Esprit, que tu nous donnes cette capacité, Seigneur. Oui, mon Dieu. Non, donne-nous de l'exercer parce que tu l'as déjà mis en nous. Si nous sommes réellement tes enfants, nous devons nous aimer les uns les autres. Que j'aime ma sœur, pas parce qu'elle est mouswahili comme moi. Que j'aime ma sœur, non pas parce qu'elle est moutetela comme moi, mais que je l'aime parce qu'elle est chrétienne, enfant de Dieu comme moi. Seigneur, que j'aime au-delà des frontières tribales. Que j'aime au-delà des frontières de mon pays. Parce que j'appartiens à un peuple. Oui, je ne parle pas du peuple de mon pays. Mais j'appartiens au peuple de Dieu. Oui, le peuple que Christ s'est acquis par son sang. Je suis de cette famille. Ma sœur est de cette famille. Mon frère est de cette famille, Seigneur. Que je l'aime comme je m'aime moi-même. Que je l'aime comme je m'aime moi-même. Merci, Seigneur. Merci. Je prie, oh mon Dieu, que cette journée soit une journée bénie pour cette personne qui a pris le temps de suivre ces messages. Donne-nous la capacité, la force de revenir ici la prochaine fois pour continuer avec ce thème. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.